Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. Vous allez voir un tour de petits paquets que vous allez sûrement adorer. Pas très compliqué à réaliser et je trouve l'idée de la routine vraiment très sympa. Et c'est toujours bon à savoir dans sa panoplie de tours de petits paquets. Bref, comme d'habitude, la démo. Et pour ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo. Et avant de commencer, est-ce que vous croyez en l'hypnose? Parce que ici, je vais vous faire une petite démonstration d'hypnose avec quelques cartes. Donc, 4 cartes, donc l'As, le 2, le 3, le 4 de pique. Le 2 de pique, laissé en deuxième position, on va l'hypnotiser et lui donner la sensation de faire perdre la face. Alors comment? Juste comme ceci, on passe la main dedans et si on claque des doigts, maintenant on regarde et l'As de pique n'a plus du tout de face. Hein. Vraiment, il a que des dos. Alors c'est fou, on va le refaire, hein, vous inquiétez pas, cette fois on le fait avec le 2, regardez bien. Le 2, on le laisse agir doucement et on l'hypnotise et lui aussi, comme pour l'As, il n'a plus de dos. Enfin, plus de face et que des dos. Vous ne croyez pas, on peut aller plus loin, hein, regardez bien, on va le faire avec le 3 cette fois, tout doucement, clac, on claque des doigts, et si on regarde, eh bien, même le 3, hein, le 3 ça marche aussi, et il n'a plus du tout de face. Nous reste le 4, vous l'avez compris, hein, il va suivre les autres, et lui aussi, eh bien, ouais, on se retrouve maintenant avec des cartes avec que des dos. Alors, des deux côtés, hein, vraiment, il n'y en a plus, hein, alors c'est ça qui est fou, on peut retourner les cartes dans tous les sens, et il n'y a plus de face. Alors pour faire revenir les faces, il suffit de les faire réveiller les cartes, hein, puisqu'elles sont sous hypnose. Alors pour ça, on secoue d'un coup sec et du coup reviennent les faces. L'As, le 2, le 3 et le 4. Je trouve ça pas mal quand même, non? Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu. Vous l'avez vu, un petit tour de petit paquet plutôt intéressant. J'espère que ce petit tour vous a plu. En tout cas, moi j'adore le réaliser. C'est vraiment plutôt simple à faire. Et les feux, je le trouve plutôt cool. Surtout avec la petite histoire qui va bien avec. Bref, comme d'hab, si vous voulez l'apprendre, les liens sont dans la description. N'oubliez pas le pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Également, les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai avec plaisir. Également, mon école de magie, www.magistreaming.fr, la seule école de magie gratuite en ligne. Vous allez pouvoir retrouver les bases de la magie des cartes ainsi que la magie des pièces. Le tour accompagné de tout expliquer, également la plateforme de VOD, et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin dans la magie, n'oubliez pas que vous pouvez souscrire à Tuto Magie Premium afin d'avoir accès à des vidéos et de tours de magie exclusifs, des posts et emojis également exclusifs, et également la possibilité de participer tous les 15 du mois à un concours réservé aux membres. Bref, tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes futures vidéos, et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.